Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Où nous allons voir comment utiliser l'outil Biodispersal pour modéliser des continuités écologiques. Alors Biodispersal est une extension du logiciel QGIS qu'il faut lancer en version 3 avec la bibliothèque GRASS car elle va être utilisée par certains traitements. Alors pour installer Biodispersal, il faut aller dans le menu Extensions, installer gérer les extensions. Rechercher l'outil biodispersal dans l'onglet Toutes. On le trouve ici, on reconnaît l'icône de serre. Il faut appuyer sur installer l'extension. Là, ça travaille, et on voit que l'extension a été installée. On remarque qu'une icône est apparue dans la barre d'outils de QGIS qui permet de lancer l'outil biodispersal. Mais aussi que de nouveaux algorithmes sont apparus dans la boîte à outils de traitement qui correspondent à certains des traitements implémentés par Biodispersal, qui n'existaient pas déjà dans QGIS. Mais on ne va pas trop s'intéresser à ces algorithmes dans ce tutoriel. Alors la boîte à outils traitement peut être ouverte via le menu traitement. Et avant de vous montrer l'interface graphique, je vais vous présenter rapidement les données sur lesquelles on va travailler. Donc pour ça, il faut aller dans le répertoire d'installation du plugin. Donc par exemple sous Windows il faut aller dans son répertoire personnel puis dans le répertoire AppData qui est par défaut caché suivre tout le chemin que je vous montre d'installation des plugins donc là ce sont tous les plugins du GIS qui sont installés on va dans Biodispersal, dans Sample Data, bousquet Orb et dans le répertoire source sont contenus les données d'entrée donc là par exemple, je vais vous prendre la zone d'étude. On va passer en projection Lambert 93 parce que c'est celle qui va être utilisée dans la suite du projet. Et pour vous situer un peu où se trouve ce territoire, je vais mettre un fond de carte OpenStreetMap grâce à l'extension OpenLayers. Je vais mettre au-dessus et changer la symbologie pour voir à travers. Et donc, pour vous situer un peu, c'est dans la région, dans le département de l'Hérault, vers Montpellier, Béziers, Castres. En fait, c'est en limite de parc naturel, le parc naturel du Languedoc, avec un peu du territoire à l'extérieur. C'est une intercommunalité qui contient quelques villes comme Bédarieux ou le Bousquet d'Orbe. C'est un territoire principalement naturel, avec quand même un grand axe de communication. Pour éviter de stopper l'étude aux limites administratives du territoire, on a appliqué une zone tampon de 4 km autour. Bon, le 4 km est un peu arbitraire, mais c'est souvent bien de ne pas s'arrêter aux limites administratives du territoire pour voir quels peuvent être les enjeux aussi aux frontières. Donc voilà pour le territoire. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser Biodispersal. Donc voilà l'interface graphique de Biodispersal. On remarque qu'il y a plusieurs onglets car on va suivre une procédure en 7 étapes, depuis le pré-traitement des données jusqu'aux résultats finaux. En haut à gauche, il y a quelques boutons pour gérer le fichier projet, c'est-à-dire la... sauvegarder la configuration de l'outil. On peut changer de langue, donc là on va passer en français. À droite, il y a un panneau d'aide qui contient une aide pour l'étape courante, donc là ici la définition des paramètres et on va pouvoir commencer ce tutoriel à proprement dit. Donc la première étape, c'est la définition des paramètres généraux, c'est-à-dire les paramètres qui vont être utilisés pendant toute la procédure, pendant toutes les étapes. Donc par exemple, le premier de ces paramètres, c'est la définition du dossier de travail, c'est-à-dire l'endroit où seront stockés les résultats et depuis lequel sont calculés les chemins relatifs. Donc là, on va aller juste au-dessus du répertoire source, par exemple. Il faut ensuite choisir la couche d'emprise, c'est-à-dire les limites de la modélisation. Donc là, comme on a vu, on va choisir le territoire d'étude augmenté de sa zone tampon. Et enfin, il faut choisir la résolution, c'est-à-dire la résolution spatiale qui va être utilisée, car on va travailler au format raster. Donc normalement, il faut souvent suivre la, la résolution ou la précision qui est de l'occupation du sol qu'on va utiliser. Là, pour les besoins du tutoriel, on va utiliser du Land Landcover, qui n'est pas forcément une couche très précise et qui ne se prête pas à une étude à l'échelle de l'intercommunalité, mais c'est juste pour les besoins du tutoriel. Et là, on va mettre une échelle de 10. Donc comme on a un système de projection métrique, euh, Lambert 93, on va faire 10 mètres sur 10 mètres. Encore une fois, normalement, il faudrait utiliser euh, des données d'occupation du sol plus précises qui peut être propre au territoire ou par exemple la couche aux eaux du 16 bio. Donc là, on a rempli nos paramètres généraux. Avant toute chose, on va enregistrer le paramétrage actuel de l'outil dans un fichier projet. Donc là, on va sauvegarder le projet biodispersal dans un torbe qui est le nom de l'intercommunalité tuto par exemple. C'est donc un fichier XML dans lequel on enregistre. Et là, on voit bien que le fichier a été rajouté ici dans la ligne Project File, ici ainsi qu'en haut. On passe maintenant à la deuxième étape du projet, qui est la définition des sous rames Alors, les sous-trames, initialement, c'est un ensemble de milieux naturels qui possèdent des caractéristiques assez proches et qu'on va regrouper ensemble pour éviter d'avoir à faire une modélisation par espèce, par exemple, ce qui ne serait pas possible en termes de temps de traitement ou d'analyse des résultats. Donc, pour définir une sous trame il faut choisir un identifiant unique, c'est-à-dire un nom qui ne contienne ni d'espace, ni de caractères spéciaux, ni d'accent. Donc là, on est en anglais, donc il n'y a pas de souci, mais si on est en français, il faut faire bien attention. Euh, forêt avec euh, un accent gras, euh, c'est en fait que ça peut poser des problèmes. Donc là, on ajoute une sous-trame de prairie, une sous-trame de forêt, à chaque fois avec une description plus complète, où là, il n'y a pas de restriction. Et enfin, une sous-trame de zones humides. Et pour les besoins du tutoriel, on va rajouter une dernière sous-trame de route. Si jamais on veut supprimer une sous-trame, il suffit d'appuyer sur le bouton moins, et ainsi de suite. Et elle peut être unique. Donc voilà pour les sous-trames. On passe ensuite à l'étape suivante, en pensant à sauvegarder le projet, comme à chaque fois, pour ne pas perdre l'avancée.